Et sinon, Rodon. C'est l'églantier qui donne des fruits. Alors ça, c'est une trace qui a dû être faite par les chevaux. C'est pas vraiment un sentier. Je sais qu'il y a des chevaux par là, des fois. Des fois, il y a des biches. Là, le ruisseau, il a creusé. Hein. On voit que le sentier continue d'être là. Notez, Piper. Vraiment une trace d'animal, ça, de chevaux ou de biche. Allez! Il y avait des traces, là, des crottes. Ah, on entend le patou de Christophe de l'autre côté. Il entend leur cloche. Quand il les entend, il aboie. Allez! Là, il y a encore du safran. Il y a plein de safran. Je savais pas qu'il fleurissait en fin septembre. Là, il faut bien suivre les traces de chevaux parce que
C'est pas la peine d'essayer de passer à travers les fougères. Ils ont fait un tour, ils reviennent par derrière. Ils ont fait le tour, ils étaient devant. Ils reviennent par derrière maintenant. Allez, notez! Notez! Au-dessus, ça doit être le chemin du bac. Là, ce mur. On rejoint le chemin du bac, en fait. Là, il y a plein de murs, parce qu'avant, c'était des champs. Plein de murs en terrasse. C'était des champs en terrasse. Il faudrait que je l'entends noter. Notez, viens! Notez! Viens maintenant, t'es bien? Notez! Il y a des fougères qui bougent là-bas. J'espère que c'est noté, que c'est pas un sanglier. Notez! Allez, avance en bas. Allez, avance. Notez, viens. Oh. Notez. Ça c'est Piper, mais j'aimerais bien voir où est Noté. Noté, viens maintenant, t'es viens. Elle dit je trouve un os. La voilà. Elle est là-haut. Noté, elle est sur le chemin. Viens ma Noté, viens. Elle est là-haut, elle est sur le chemin. C'est le chemin qu'on prend d'habitude. On est en bas, Noté. Bon, là, ils peuvent se rafraîchir. Là, on est au frais. Tiens, elle arrive. On est en bas, Noté. Viens maintenant, Noté, viens. Elle avait pris le chemin là-haut. Ah, voilà. Viens Mano, t'es bien? T'es où? Ah, là. T'étais perdu. Ah. Là, tu veux te rafraîchir. Là, c'est bien. Bonne pluie. Là, ça fait du bien. C'est une barre. J'ai trouvé un bar. Bon, on va continuer.
Il y a des bouleaux qui se sont fait emporter par une tornade, petite tempête. C'est des bouleaux ça. Et là, je crois que Piper est sur le chemin. Oui, il est sur le chemin, Piper. Noté, elle descend, je sais pas où elle va. Tu vas où noter? Ah, tu vas te rafraîchir dans la fondrière. Bon, faut pas se promener en forêt quand il y a du vent, parce que... Voilà, les arbres tombent. Je pense qu'on va arriver au chemin. Ouais, ça va, il est sur le chemin. Voilà, on arrive au chemin. Il est en bas. Je vais arrêter de filmer, mais bon, je vais quand même tenter le coup. C'est stable ça. Les murs se sont effondrés. Hop. Bon, tout le monde est là. Tout le monde répond à l'appel. Pour continuer. Là, on est sur le chemin, ils connaissent le chemin. Allez, un peu d'humus pour la forêt. Pas de mal, hein, Pico. C'est du mus. Là, on arrive sur une route forestière pour débarder le bois, je pense. Allez. Oh. Le déhanchement caractéristique des canets corso. Piper, il l'a pris aussi.
Buenos. On va pas te déranger, ça demande de la concentration. Je crois que notre aussi en a trouvé un. Un cheval là-bas. Je sais pas si le zoom sera assez fort. Je crois que c'est un cheval ou une vache. Non, c'est un cheval. Qui remue la queue. C'est un cheval. On entend sa cloche. T'es toujours là, toi. C'est pas toi qui risque de trouver un os, hein. Collé à moi, là. Regarde, les deux autres, ils ont trouvé deux os. Soit si tu restes toujours dans mes pieds, tu risques pas de trouver un os, hein. Deuxième barre.
système de refroidissement en bois, en même temps ça refroidit les fesses, ça fait bonne siège. Bonne siège et barre. Et lui, toujours là. Là-bas, on va avoir un peu de soleil. Samba. Samba. Bon, on va la pause. On va aller voir la... La pique, là, il y a une pique. Notez, viens. Notez, viens là, viens. Passage un peu radio, hop, et un petit pic. On était également, on y mettait un drapeau. Ouais. Voilà, c'est la pique. C'est une petite pique. Les chevaux, ils sont en face. On les voit là. Là, on les voit bien. Je vais mettre le zoom. Là. La crinière blonde, c'était comptoir. Crinière blonde, robe marron. Il y a trois là.
Bon, on se met sur le chemin du retour. On a rencontré Christophe et Nadine, et le petit-fils de Christophe, Liam. Et la fille de Robert, pardon, Robert et Nadine, la fille de Robert et son petit-fils. Bon, alors là, on quitte la route forestière pour prendre le petit chemin qui était à l'origine, hein, qui était le chemin de charrette avant, il passait par ce chemin-là. Une charrette passait avant. Enfin, pas là, bien sûr, mais en dessous, là. Mais il a été détruit par la route forestière. En fait, il passe en dessous. Et du coup, on rejoint la route forestière. On ne peut pas continuer. Mais sinon, il passait... Là, il y avait une charrette qui passait avec deux vaches de front. C'est le chemin d'origine. Il devait se continuer comme ça, mais la route forestière, là, les éboulements l'ont recouvert. Allez, on avance. Hop, avance en bas. Allez, accélère un peu. Peter, quand il croise des gens, il aboie pour m'avertir qu'il y a quelqu'un. Mais bon, ça, il aboie, c'est tout. Donc je les avais. Je savais qu'il y avait quelqu'un bien avant de les voir. Bon, du coup, on va rentrer par ce chemin. C'est quand même plus praticable que la trace à travers les fougères. Bon, ça me va. Je te prierai d'avancer. Du 17 tout à l'heure. Ça, c'était les murs de l'ancien chemin. C'était pas mal fait. Bon, la plupart se sont effondrés. Un mur, ça s'entretient, hein. C'est pas des murs en béton, hein. Faut les entretenir. Hein. Là, elle est complètement recouverte de mousse. C'est quand même des grosses pierres. Hein. On voit un bout aussi. Je sais pas où il est parti, Piper. Piper! Il faut y avoir des chevaux là-haut. Piper! Viens! Tiens, là on voit le mur. Il range son os.
Là, on le voit bien, le mur. Là, il est bien. Bien fait. C'est pas écroulé, celui-là. Là, c'est les Jess. Et quand on est arrivé, on était dans ces fougères en dessous. On a traversé ces fougères. Ben là, il est super bien fait, le mur. Là, il est magnifique. Un beau travail, là. Les pierres se chevauchent toutes. Il n'y a pas de refend. Toutes les pierres se chevauchent. Il n'a pas bougé là. Il faut dire que comme il est haut, les bêtes ne l'empruntent pas là, donc ils ne le font pas ébrouler. Il y avait des sacrés parpaings. Hein. Celui-là, là, il devait peser dans les 300 à 400 kg. Hein. Je sais pas comment il l'a monté là-haut. C'est des costauds. Hein. Je vais le monter à 4 ou 5. Hein. Là aussi, ils sont pas mal en bas, là. Ceux qui font le socle. Après, toujours cet appareillage, les pierres qui se chevauchent. Il n'y a jamais deux jointures l'un au-dessus de l'autre. Il y a toujours un chevauchement. Là, celle-là, elle chevauche ces deux-là. Là, elles sont quasiment taillées, les pierres. Pas bougé. Là, elles sont moins bien taillées.